J'arrive. Tu t'es pas réveillée? Si, je suis debout là, je suis prête, tu vois bien. Enfin, je suis debout depuis un moment là déjà. Ça fait 10 minutes, je t'attends devant la porte. 5 minutes, t'es vraiment... minutes. T'es marseillaise toi quoi? Oui. Ah bon? Bah oui. T'es pas marseillaise toi, tu viens de... du sud de Perpignan. T'es perpignanaise. Ouais. Moi, si je le fais pas, personne ne le fera, tu vois. Sans toi, j'arriverai pas à remonter la pente. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois, ça fait quand même plusieurs mois qu'on attend ce moment. Là, c'est aujourd'hui le grand jour. C'est pas donné à tout le monde, je te remercie, vraiment, sincèrement. Enfin, on n'a pas commencé, on n'a pas fini, mais... Bah ouais, merci. Merci à toi. À toi. À toi. À toi. Plus à toi, je pense. Non, à toi. Vraiment à toi. À toi. À toi que je le dis. C'est toi qui t'es déplacé chez moi. Voilà, les grands objectifs, c'est quoi? Changer radicalement, évoluer, faire un grand... Changer. Ah. Il est bon, le kawa? Ouais. C'est dégueulasse. T'as mis trop de flotte. Il est beau, ton petit blush. Ah ouais? Ouais, c'est beau, make-up naturel. T'aimes bien? T'es belle. C'est du rouge à lèvres. Ah bon? Ouais. Eh ben putain, les techniques. Ouais, c'est beau. Toi, c'est pas fou, quoi. Enfin, j'ai été prête, mais j'ai pas eu le temps de me préparer vraiment. Non, parce que, enfin, moi, je te le dis, hein, pour ce genre de décision, il y a pas de peignoir qui tienne. Donc, je veux dire, non, mais là, tu vas te changer, tu te mets en tenue, tu prends un t-shirt, tu prends un jean, tu prends un pantalon bien, tu vois, tu t'attaches les cheveux, tu te fais pas de make-up, t'es bien, casquette, mais il faut qu'on soit efficace et concis, tu vois. Moi, je suis dans une tenue où là, je suis efficace pour le faire. C'est un moment critique où je ne sais pas comment tu fais pour circuler. Non, mais t'as raison. Ton dressing là, il va changer radicalement. Toi, qu'est-ce que tu cherches? Que tu me fasses un listing? Moi, je veux y voir plus clair. Je veux le matin me lever, voir clair dans mon armoire. Le matin quand je fais ma routine morning et le soir quand je fais ma night routine. J'ai envie de trouver mes produits facilement. J'ai envie qu'ils se posent sur ma peau presque tout seul, tellement c'est bien rangé. J'ai envie que ma crème elle soit déjà comme si elle avait son emplacement dans les pubs avec des petites gouttelettes et des lumières qui arrivent sur elle. Et quand tu sais, il y a l'entrée de la personne qui est la personne la plus stylée de la pièce. Et là, tout le monde regarde vers elle. Et ben, c'est mon pot de crème. J'ai envie que mon pot de crème soit pareil. Ouais, j'ai envie que ça soit une évidence. J'ai envie que ça soit évident que ce soit lui que je prends. Je veux que le matin, quand je me lève, ça soit une évidence que je trouve cette crème de jour qui est adaptée au port de ma peau. Les fringues aussi, quand je les choisis, quand je les vois le matin, j'ai envie de me dire, c'est une évidence aussi, tu vois. J'ai envie de me dire, cette tenue, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est elle sûr. Qui est adaptée à moi, à mon potentiel du jour. Exactement. Parce que je suis un potentiel. Alright. J'ai envie que ma boîte à tampons, que ça soit bien rangé. Oui. Je veux que ça soit droit. Ouais. Mes parfums, je veux qu'ils soient sur une même étagère. Regarde. J'ai envie que... Go on, girl. Je veux que mes culottes, elles aient leur propre boîte. Je veux qu'elles aient leur propre boîte. Ouais. Et les chemises. Continue, tape. Je veux qu'elles soient sur des cintres. Tape. Je veux qu'elles soient sur des cintres. Vas-y, donne tout. Lâche-toi. T'arrives à un stade où tu peux plus faire au feeling, tu vois, t'as des méthodes d'organisation. On appelle ça les techniques step by step, tu vois, petit à petit. C'est-à-dire que voilà, t'as la méthode du roulage, la méthode du pliage, la méthode du plaquage, la méthode du rangage, la méthode du contre-carrage. Après, il y a des techniques par couleur, des techniques par noir et blanc, des techniques par type de vêtements, des techniques par assemblage. Est-ce que je regroupe un jean avec un jean? Est-ce que je regroupe une chemise avec une chemise? Est-ce que je regroupe t-shirt chemise? Est-ce que je regroupe bermuda pantalon? Est-ce que je regroupe jean et pantalon de costard? Ou les costards en même temps? Tu vois, c'est des questions comme ça que tu te poses finalement qui sont pas si simples à faire. Bah, je me les suis jamais posées. Ouais, je crois. Je t'aime. Pardon. Ouais, moi aussi. Je dis pas assez souvent d'ailleurs. Oui, je trouve aussi. Hier au téléphone, on se l'est dit. Mmh. Si, c'est moi qui ai lancé le sujet à chaque fois, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis à chaque fois que je t'aime. T'as remarqué? Tu m'apportes pas tant d'attention que ça depuis quelques temps. Je trouve, hein. Parce que c'est bien mignon que tu travailles et tout, les stages et compagnie, mais moi je suis là. Bon, voilà, je pense que c'est bien pour une intro, c'est assez long, hein. Nickel. Allez, à tout à l'heure. Toi, t'as des fringues d'été et d'hiver ici. La lumière, elle est allumée, c'est pas écologique. t'as des fringues d'été et d'hiver ici. Là clairement il y a un problème. Il y a un problème quand tu regardes. Il y a un truc qui va pas. Ça. Tu vois, ça va pas.
c'est long. Tu vois, quand tu rentres, que tes faces là, ça rebute. Ouf. Ça rebute. Attends, je peux voir, j'essaie de rentrer. Vas-y. Ah, ah c'est horrible. Ne bouge pas, je peux plus. Ne bouge pas, tu vas voir ce que je vais faire. Ah, je peux plus là. Non, non, ne rentre pas. Je rentre pas, je peux pas rentrer de toute façon. Rentre. Rentre dans l'espace. Ah, là je suis bien là. Ah, mais à chaque fois je tombe de ce truc. Te tue pas, hein. Ça serait dommage. En fait, c'est... Là, j'ai mis toutes les chemises, tous les t-shirts par couleur. Et après, ça part en débardeur petit haut, tu vois. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais. À la limite, les sweats, on les plie plutôt. Oui, tu vois. Donc, on les plie, mais il y a des méthodes de pliage. Okay. Donc, on prend son sweat, on met la capuche dedans, on rabat les ailes. Tu rabats. Il y a celui-là. Ah, celui-là. Vas-y, bah, je te laisse le pli. Non, c'est toi qui le fais. Ah non, 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 ça tout. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons. Hein. Et ben, on le met en haut sur les sweats parce qu'on va faire des catégories. Ça, pareil, c'est un sweat, on plie. Et ça, tu vois, tu mets avec le sein parce que ça va ensemble, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, tonton. 30 cm de largeur. Et 25 cm de long. Bah clairement c'est ce qu'il faut pour faire ce genre de métier. Non non pas du tout, c'est juste que je vais mettre ton cul en vente sur eBay. J'en pas. Je suis putain. Comment tu veux que j'avance? Regarde Lilo ce qu'elle va faire, elle va venir sauter attraper la truc. Vas-y Lilo. Allez prouve, prouve au monde entier que t'es une super chatte. Allez vas-y. Non, ça non. Attends. Tu vois, t'es déconcentrée à chaque truc. Moi je sais plus quoi faire quoi. J'arrive à un moment où voilà, elle a la tête dans le congélo, elle s'occupe de faire les cafés. Je me sens seule. Je me sens profondément seule. Je t'attends hein. J'arrive. Donc là, on a un coin sport hiver avec tous les pulls. Tu m'as tué. Meuf, t'es folle. J'ai frappé fort en plus. Oh ouais, t'as frappé fort là. Ma main, elle est rouge. Oh, oh meuf, je crois que je peux pas continuer. Si, tu peux continuer. Allez, vas-y, keep going. N'abandonne pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, il faut que tu mettes tout ça sur des cintres. Bah, c'était déjà sur des cintres. Non, c'était pas bien mis. T'as dit que c'était pas bien mis. Bah, c'était pas bien mis. C'est fini, ça y est, enfin fini. En fait là on a fait l'armoire. Mais c'est vrai qu'il reste encore salle de bain à trier. Et t'as dit quoi là-bas, il faut faire quoi? Et après le salon quoi. On va réaménager le salon quand il y aura les meubles alors. Ouais. Je trouve que c'est fou la différence parce que avant, faudrait montrer. On pensait que j'avais pas de vêtements alors qu'en fait j'en ai. Mais c'est juste qu'ils étaient pas bien organisés. Et du coup on les voyait pas. Emma. Je suis tellement heureuse. Emma, en fait, elle a un peu le rôle d'une mère et d'une meilleure amie avec moi. Parce que bah, j'ai pas eu la chance qu'on m'apprenne à m'organiser. Du coup, merci. You baby. Avant, quand tu regardais mon armoire, t'avais l'impression que j'avais pas de vêtements. Et là, en fait, bah, j'en avais. C'est juste que c'était pas bien organisé. Waouh! Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous le dire en commentaire. Parce que comme ça, on pourra faire la salle de bain et le salon à ranger. Ouais, ça va être une aventure. Ah, oui. N'hésitez pas à aller suivre Emma sur son compte Instagram, m.fleury. Je vous le mets juste ici. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et c'est tout. Bisous bébé.